Bonjour à tous, du coup je vais vous parler de mon texte que j'ai écrit pour le concours de l'Imagina Week 2. Donc c'est un texte sur la complicité et l'amitié. En rapport avec le thème comme cul et chemise, du coup moi j'ai pensé à une anecdote où avec un de mes amis on s'est habillé exactement pareil sans se concerter tous les deux. On avait la même chemise et le même short, du coup voilà ça rentrait en rapport avec le thème. Et du coup bah, je vais vous lire le texte que j'ai écrit. Donc ça s'appelle Un ami. J'ai toujours eu besoin de ces instants marrants, et je ne me rappelle pas d'un seul moment où on s'est vu sans que ce soit le cas. Je tiens à te remercier pour tout cela, pour m'avoir fait découvrir des mondes, pour ta positivité, tes bonnes ondes. Entre la crise du collège et la crise du Covid, la place de mon voisin de classe aurait pu rester vide, mais tu étais là, mon ami. Tu as accompagné cette partie de ma vie dans une période où les cours me donnaient du mal. Tu m'as permis de rééquilibrer mes charges mentales. Et il y a des trucs que sans vouloir je t'ai emprunté. Tu dois sûrement te souvenir de cette fois où on était habillés, comme cul et chemise, au sens premier. Merci pour toutes les fois où tu m'as influencé. On s'est aussi fréquemment différencié. Je parle bien de tempérament, des fois où je suis agité, et que toi tu es calme et réservé. J'admire cette sagesse que tu sais conserver. Pour toutes les sorties, pour tous les après-midi, pour toutes les soirées, celles en vrai, celles en bas débit. Bah débile, évidemment que t'es important dans ma vie. Désolé, la phrase d'avant était comme un tremplin, j'ai rebondi. Bref, j'ai souvent beaucoup trop parlé. Merci de m'avoir constamment écouté. Merci d'être un ami super. Aujourd'hui, je te souhaite un bon anniversaire.